C'est l'heure de parler pétanque maintenant dans Bonjour Marseille, mais d'un style de pétanque pour le moins original qu'ont mis au point les pétanqueurs et que nous fait découvrir ce matin Nicolas Dumas. Bonjour Nicolas, la pétanque partout, c'est désormais possible, même sur le parvis de la Major. Oui, regardez, il a été installé, enfin, il a été installé. Il reste juste un petit bloc de bois. On l'a gardé pour vous montrer comment ça se passe. C'est assez rapide, justement. Vincent, vous êtes le PDG de Pétanqueur. Expliquez-moi le procédé pour le mettre en place, ces terrains. C'est très rapide, très simple. Une personne peut le monter une douzaine de minutes à peu près. En fait, nous avons des ferrures que nous avons. C'est un modèle déposé en fait, et les rondins sont perforés de façon à pouvoir encastrer en fait les rondins dans les ferrures. Donc c'est extrêmement rapide. On déroule la moquette, on pose les ferrures, on pose les bois, et après il n'y a plus qu'à jouer. Pourquoi la pétanque ? La pétanque, c'est un sport très particulier. C'est né en 1907 à La Ciotat et ça a été créé pour une personne handicapée qui ne pouvait plus jouer à la longue. La longue, c'est un jeu traditionnel ici. Et ce sont des boules beaucoup plus lourdes et beaucoup plus grosses. Et là, aujourd'hui, la pétanque, qui a été créée en 1907 à La Ciotat, est devenue un sport ultra populaire et d'une très grande simplicité à jouer puisqu'il suffit de mettre les boules près du cochonnet. Et là, c'est des boules en PVC parce que le terrain ne permet pas d'avoir des boules en métal. Par contre, sur d'autres terrains, en fonction du terrain, on peut changer les boules. Tout à fait. C'est la nature du sol, en fait, qui permet de définir les boules avec lesquelles on va jouer. Ce qui est très intéressant avec les boules en PVC, c'est qu'elles sont, elles réagissent exactement de la même manière qu'une boule métal sur un sol en sable. Bon, ben, vous voyez, Jean, on va se mettre à la pétanque et on se retrouve un petit peu plus tard dans un lieu un peu différent. On vous réserve la surprise. D'un style de pétanque pour le moins original qu'ont mis au point les pétanqueurs et que nous fait découvrir ce matin Nicolas Dumas. Bonjour Nicolas, la pétanque partout c'est possible, même à l'intérieur désormais. Oui, regardez Jean, on est place Paul Ricard dans les docks et ça c'est une innovation, ça se déroule en une minute et après on peut jouer à la pétanque n'importe où. Vincent, votre credo chez les pétanqueurs c'est l'innovation et la créativité, expliquez-moi un petit peu. Oui, en fait on est toujours dans un souci d'optimisation à la fois de notre temps et de l'espace pour nos clients puisque ce sont principalement les entreprises. Et effectivement, on a baptisé un terrain qui s'appelle le One Minute to Play qui permet d'être installé en une trentaine de secondes, même pas une vingtaine de secondes, et de jouer immédiatement n'importe où. Et justement, là, on a les boules, c'est des boules en PVC ici, parce que justement, on ne va pas jouer avec des boules en métal sur du carrelage. Non. Expliquez-moi comment elles sont composées, et moi je peux vous dire qu'elles pèsent comme des boules de pétanque. Hein. Exactement, en fait, ce sont des boules synthétiques, ce qu'on appelle synthétiques. Il y a une coque qui fait 4 mm d'épaisseur. À l'intérieur, vous avez du sable et des billes en métal. Ça fait 680 grammes et 74 mm. Donc le même poids, le même diamètre qu'une vraie boule. Et quand on compare, vous pourrez le découvrir sur notre chaîne YouTube, les pétanqueurs. Quand on compare, en fait, on a fait un paramétrage avec boule métal sur un sol en sable et boule synthétique sur un sol en carrelage. Et vous voyez que c'est exactement la même façon de jouer. Et d'ailleurs, on va jouer. Bon, je change de main parce que je suis droitier. Et allez, c'est parti. Hop. Voilà, Jean. Et on revient tout à l'heure après dans la rédac pour vous montrer cette fois-ci un autre jeu. Et vous allez venir participer avec nous. Nicolas, vous êtes cette fois, j'ai l'impression de reconnaître l'endroit jusque dans la rédaction, avec un nouveau format de jeu, j'ai l'impression. Oui Jean, vous avez tout à fait raison, je suis dans la rédaction de BFM Marseille Provence. Là, on va parler dans quelques instants de la pétanque ciblée, mais avant, on va parler de votre terrain phare. C'est un terrain de 2 mètres par 10 qui se déploie en même pas 10 minutes. Expliquez-moi un petit peu comment fonctionne le concept. Le concept est très simple, on essaye d'être présent dans un maximum d'endroits. Donc pour ça, il faut un terrain qui soit facilement montable, facilement transportable et qui se monte en quelques instants. Donc effectivement, une dizaine de minutes, c'est le temps nécessaire pour s'installer n'importe où. Et c'est des boules en PVC qui sont également utilisées pour la pétanque ciblée. Ça, c'est un développement fait pendant le confinement. Tout à fait, on n'avait absolument plus de travail puisque le confinement a arrêté tous les événements. Et on a donc développé ce terrain, enfin ce tapis de pétanque ciblée qui a une particularité, c'est qu'on est parti d'un dicton de la pétanque, il faut toujours revenir à ses sources, qui dit boule de vent, boule d'argent. Et donc une boule qui est placée devant le cochonnet va gêner l'adversaire ou être rapprochée du cochonnet. Donc on a mis cette règle en dessin, on l'a déposée au niveau international. Donc c'est devenu la pétanque ciblée avec des points qui sont plus importants placés devant le cochonnet que sur les côtés ou derrière. Et justement, là, Julien, je récupère.
ta boule, je vais venir. Je vais venir tester et regarder. Hop, voilà. Et Jean, je te laisse lancer la météo. Attends, je joue avant. Et ça gagne. On va parler pétanque à Marseille. Ce ne sont pas les terrains de pétanque qui manquent. Mais comme vous adorez ça, il y a du nouveau, des terrains amovibles qui peuvent s'installer partout. Et même à l'intérieur, ils sont mis au point par les pétanqueurs. Nicolas Dumas avec Lucas Licata. 10 mètres de long, 2 de large, c'est les dimensions de ce terrain de pétanque amovible. Il s'installe sur n'importe quel sol, comme du carrelage ou ici, de la pierre. Notre système de montage est très simple. En fait, on déroule notre moquette, ensuite on installe ses ferrures tout autour du terrain et ensuite on vient directement encastrer les bois et les rondins tout autour. Ça fait qu'en quelques minutes, le terrain sera installé, peu importe la surface et peu importe l'endroit. Tout seul, ça prend un peu plus de 10 minutes et à deux, on peut prendre entre 5 et 10 minutes. Pour y jouer, il faut se munir de boules PVC. Elles sont remplies de sable et de billes en métal. Elles pèsent le même poids que leurs cousines en acier. Des activités destinées à des événements d'entreprise ou de particuliers. Cette facilité de règles, cette facilité d'installation nous permet effectivement d'intervenir n'importe où, que ce soit sur un rooftop, une salle de séminaire, une convention, vraiment n'importe où. Et donc les entreprises raffolent de ça parce que ça crée un vrai moment de convivialité ou de défi ou de tournoi puisqu'on monte également des tournois pour les entreprises. Autre innovation, la pétanque ciblée. Développée pendant le confinement de 2020, les règles diffèrent de la pétanque traditionnelle. On a travaillé sur la base du dicton historique qui est boule de vent, boule d'argent. Donc les boules qui sont devant le cochonnet sont plus importantes en termes de jeu, de stratégie de jeu, parce qu'elles peuvent être approchées pour l'adversaire ou en tout cas elles empêchent d'arriver directement sur le cochonnet, de reprendre le point. Et tout l'intérêt ici, c'est d'avoir valorisé ce dicton en mettant des points plus importants devant le cochonnet, qui est ici, ou devant le centre de la cible, que sur les côtés ou derrière. Et ici, il n'y a même plus de points du tout. Pour faire venir cette animation, il faut compter 1 650 € hors taxes. Pour un terrain de pétanque amovible, 1 800 € pour deux.